Bonjour à tous et bienvenue dans le journal décalé sur People 24, une émission sérieuse mais un peu folle. Voici les nouvelles de la journée. Des capsules écologiques baptisées OO, faites à base d'algues et d'une membrane, ont remplacé près de 200 000 bouteilles d'eau en plastique. Lors du dernier marathon de Londres du 28 avril de cette année, les organisateurs ont voulu changer les mauvaises habitudes écologique de cet événement et lui donner une meilleure image, tout simplement. C'est encourageant pour l'avenir et bon pour la planète surtout. Résumé en image, signé Lars Kold. L'émission On a la solution sur France 3, qui vous parle de bons plans ou d'idées innovantes, vous a encore déniché il y a quelques jours un beau projet avec l'application Kilomètres for Change. Le but tout simplement, c'est courir en donnant pour des associations ou pour des projets solidaires que vous aurez choisi vous en avance. Vous allez faire de l'argent au moment où vous allez débuter votre course en ouvrant l'application jusqu'à la fin de votre footing. Alors, à vos marques, prêts, partez! Prendre une boisson chaude avec un pot de porc et le caresser, c'est possible chez MyPig, bar à cochons situé au Japon. Laissez-vous séduire par cette nouvelle tendance douce, mais à la fois très originale. Ce projet a pour effet de détendre la clientèle. Près de 1000 enseignes à animaux existent déjà dans le pays. Plus d'explications et de détails avec BFM TV. Warning, information importante, le Yeti est bien vivant. Vous avez peur? Vous devriez. Le 9 avril dernier, près du camp militaire de Makalu en Inde, des traces de pieds de 80 cm ont été retrouvés et pris en photo. Comme vous pouvez le voir sur les images qui passent actuellement, par peur et manque de crédibilité, ils ont voulu parler de cette histoire seulement 20 jours plus tard. Des critiques d'internautes sur Twitter ont bien sûr eu lieu. Pour vous, c'est vrai ou faux? Je vous laisse voir un reportage du HuffPost avant de vous décider, tout simplement. Nous avons enfin la preuve de l'existence de l'abominable homme des neiges. Ou du moins, c'est ce que pense l'armée indienne. Le 29 avril, le compte Twitter de l'armée indienne a posté plusieurs photos de traces de pas de plus de 80 cm qu'ils auraient découvert le 9 avril. Ils expliquent que ces traces sont celles d'un Yeti. Ces photos ont été capturées entre le Népal et la Chine sur la montagne Makalu, une région bien connue des chasseurs de Yeti. Manger les pieds dans l'eau, dans un café entouré de poissons, c'est possible. Situé à Ho Chi Minh Ville, Amix Coffee vous offre une expérience insolite avec près de 100 amis vertébrés, branchies, pourvus de nageoires sur deux étages inondés d'eau. Tout est bien isolé, de bâches plastiques, aucun problème, pas de fuite. Au menu, un large choix de sélection avec des snacks et des boissons. Et par contre, attention, car il y a obligation d'enlever ses chaussures et de nettoyer ses pieds avant. Mais je vous propose de regarder ces images, saufiche.
C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur People 24.